Et salut tout le monde et bienvenue, c'est Dante Damsien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans notre guide des boss de Dark Souls 2. Et on va s'attaquer cette fois-ci aux gargouilles du beffroi, où on aura un petit peu la même problématique entre guillemets que ce qu'on avait sur les sentinelles des ruines, à savoir un boss en surnombre. Alors rappelez-vous, dans la précédente vidéo on était contre les sentinelles des ruines, on avait trois ennemis en même temps pour le boss. Là cette fois-ci on en aura 5. Voilà. Mais vous inquiétez pas, normalement ça devrait bien se passer. Dans une certaine mesure, c'est peut-être un peu moins compliqué sur ce boss-là. Simplement parce que les gargouilles sont quand même relativement lentes. Elles ne sont pas là toutes en même temps. Et on peut un peu mieux gérer la situation, je pense, si on s'y prend bien, si on est méthodique et si on n'est pas trop pressé. Voilà, hein, tout simplement. Donc alors attendez, qu'est-ce qu'on pourrait dire à ce niveau-là? Alors oui, en termes de force, de faiblesse, etc., c'est un petit peu comme les sentinelles des ruines. Donc c'est-à-dire que en termes de faiblesse, les gargouilles seront un peu plus faibles à la magie, à la pyromancie. Elles seront encore un peu plus faibles à la fois. Hein, avec la foudre, c'est là où elles prennent le plus de dégâts. Et elles prendront aussi plus de dégâts avec les armes contondantes, donc genre des masses, par exemple. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Moi, au niveau de mon équipement, j'ai pas bougé, puisque tout simplement, j'ai fait le boss des Sentinelles des Ruines et je suis directement allé ici. Donc, entre-temps, j'ai juste monté mes niveaux, hein, c'est tout, j'ai rien fait d'autre. Donc, les armes, c'est les mêmes, hein, j'ai toujours ma hache plus 6, mon bâton plus 6, et puis les anneaux, bon, bah écoutez, ma foi, c'est un petit peu les mêmes. Je vous conseillerais peut-être, du coup, de commencer le combat directement avec une infusion. Donc, infusion en électricité, donc résine de pin doré. C'est préférable parce que c'est ce qui cause le plus de dégâts, hein, sur les gargouilles, comme je l'ai dit juste avant. Et après, ma foi, il va falloir gérer un petit peu tout ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer directement dans le boss. Ah si, si, petite précision avant de commencer, parce que j'aurais peut-être pas forcément le temps d'y revenir quand on sera dans le boss. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gargouilles, en fait, vont se réveiller à un certain laps de temps. C'est-à-dire que dès que vous allez rentrer dans la zone, il y a deux gargouilles qui vont se réveiller déjà. Donc on aura une directement sur la gauche et une un petit peu plus loin sur la droite. Alors il me semble que si vous perdez et que vous recommencez le boss, c'est pas forcément les mêmes qui se réveillent tout de suite. Mais bon, dans un premier temps, il y en a deux qui se réveillent. Quand on va descendre la barre de santé du boss général, hein, parce qu'en fait c'est plein de petites gargouilles qui en fait font une grosse barre de boss, quand on va la descendre à 90%, on a une troisième gargouille qui va se réveiller. Quand on va descendre la barre de vie générale à 70%, on en a une quatrième qui va se réveiller. Et quand on va la descendre à 50%, on a la cinquième et dernière qui va se réveiller. Sachant que si on met trop de temps à taper sur les gargouilles, les autres peuvent se réveiller avant que la barre de santé diminue. Voilà, donc ça c'est ce qu'il faut savoir si on est un petit peu long à ce niveau-là. Mais si on n'est pas trop trop lent, globalement, c'est ce qui se passe. Donc on va, hop là, infuser notre arme, tout simplement. Voilà. Et on va aller ici. Et donc directement sur la gauche, on en a une qui commence à se réveiller. Ici. Alors n'essayez pas de la taper ou de la loquer tout de suite. Tant qu'elle n'a pas posé les pattes sur le toit, en fait, on peut rien lui faire. Voilà. Une fois qu'elle a posé ses pattes, là on peut. Et là, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment y aller tranquille, être méthodique. Donc tant qu'il n'y en a que deux, ça va, c'est tranquille. Donc là, on peut genre juste esquiver, se protéger, mettre quelques coups. Donc là, on a la troisième qui va commencer à se réveiller. Vous voyez, il y en a une troisième là-bas sur la droite. Et ce qu'il faut savoir aussi, petit truc intéressant, c'est que quand la barre de vie d'une gargouille descend à 50%, donc sa barre de vie propre, hein, eh bien, elle se mettra à cracher du feu très régulièrement. Donc elle fera vraiment l'attaque la plus récurrente qu'elle fera, ce sera de cracher du feu. Donc ça c'est plutôt intéressant à savoir. Et en gros là ce qu'il va falloir faire c'est vraiment se servir de l'espace. Alors là je fais n'importe quoi parce que je cause mais c'est pas grave. Pour vraiment tout le temps s'écarter des gargouilles, aller se régénérer. Donc vous voyez on a largement la place de courir, les gargouilles sont pas très rapides. Quand vous passez à proximité vous faites des roulades pour être sûr de ne pas vous faire toucher. Vous pouvez vous régénérer. Et les gargouilles sont pas très rapides. Donc en fait faut attendre la bonne occasion. Donc là hop elle a mis son coup. Vous tapez, vous faites une roulade sur le côté pour éviter de prendre un coup. Et vous repartez à l'autre fond du toit. Voilà, tout simplement. Vous voyez, vous attendez la bonne occasion. Donc là, bon, là, ça va être un peu compliqué. Donc, on repart. Donc là, hop, bonne occasion. Et voilà, et on s'écarte. Donc vraiment, pour être safe, ce qu'il faut faire, c'est ça. C'est vraiment
Vous prenez le temps. Voilà, vous attendez qu'il y a des gargouilles qui arrivent vers vous. Donc là, il y en a une qui arrive toute seule. Donc là, c'est la bonne occasion. Vous tapez, vous faites des roulades pour esquiver les coups qui arrivent. Et vous partez. Bon, là, ça s'est très mal passé. Mais globalement, c'est comme ça que ça se passe. Hein, il faut vraiment attendre la bonne occasion, être sûr qu'il n'y en a qu'une seule qui va nous gêner. Donc là, par exemple, on voit qu'on est vraiment pas dans une très bonne situation. Donc on s'écarte. On n'hésite pas à utiliser une petite gemme de vie. Hein. On voit que là, il y a de la place. Là, celle-ci est tout seul, donc on peut taper. Hop, on fait des roulades pour partir. Et on repart vers le fond du toit. Et vous voyez, comme ça, c'est lent, mais ça se passe plutôt bien, en fait. Ça permet vraiment de gérer la situation, puisque je vous dis, les gargouilles sont assez lentes, au final. Alors, essayez pas forcément de vous concentrer que sur une seule gargouille. Essayez plutôt de taper la gargouille qui sera la plus safe à les taper. Vous voyez, là, genre celle-là, elle est... Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand ils font leurs attaques de feu, comme ça, ils sont en pleine faiblesse, hein, les mecs. Hein. Vous pouvez passer derrière leur dos, et en fait, du coup, bah, ils font rien, puisqu'ils sont en train de cracher le feu, tout simplement. Après, pour ceux qui utilisent des attaques à distance, des sorts, etc., bah, là, c'est encore plus simple. Hein. Vous vous écartez, et vous lancez vos sorts. Et ça se passe super bien. Là, pour le coup, vous avez juste, en fait, à partir complètement dans un fond. Vous gardez un peu d'endurance pour pouvoir lancer un sort. Vous lancez votre sort, voilà. Et vous repartez, quoi. Franchement, pour ceux qui ont des attaques à distance, c'est vraiment, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus safe. Parce que là, vous prenez pas la tête, en fait. Hein. Vous y allez en mode, voilà, quoi. Je vais dans un fond du toit. Tranquillement. Bon, là, hop, là. Vous faites attention quand vous retournez, quand même, de voir où sont les gargouilles. Voilà, je lance un sort. Hop. Je déloque et je repars. Voilà. Alors surtout quand vous courez pour passer de l'autre côté du toit, vous faites attention quand vous passez à proximité d'une gargouille. Surtout vous faites une roulade, hein, parce qu'il y a de fortes chances que la gargouille essaye de vous taper quand vous passez à proximité. Voilà. Donc vous voyez, hein, avec les attaques à distance, ça se passe relativement bien. Il faut juste être patient, ne pas être pressé, prendre son temps. Vous voyez, hein, le surnombre peut faire un petit peu peur. Et comme je vous dis, hein, les gargouilles sont relativement lentes, donc du coup ça se passe bien. Voilà, vous mettez un coup, vous partez. Donc pour les attaques à distance, franchement, si vous vous y prenez bien, si vous n'êtes pas pressé, ça se passe tranquille. Hein. Vraiment tranquille, vous voyez. On tourne, il suffit de tourner. Il suffit de tourner, voilà. Si vous voyez qu'elles sont bien éloignées, vous avez le temps de balancer deux coups. Voilà, tranquillement. Donc ça c'est vraiment pour ce qui est à distance. Hein. Alors que ce soit avec des sorts de la sorcellerie, de la foi... de la pyromancie, arc, arbalète, ou ce que vous voulez, hein, ça se passe relativement bien. Donc moi je vais repasser au corps à corps, parce que le corps à corps c'est ce qu'il y a de plus compliqué sur un boss comme ça, bien évidemment. Alors là normalement si on s'y prend bien, on a le temps d'infuser notre arme. Voilà. Alors ça faites-le vraiment que si vous êtes en confiance, hein, parce que c'est pas forcément évident, ça prend un peu de temps. Voilà. Et donc comme je vous dis, au corps à corps, vous attendez une bonne occasion pour taper. Donc là, en l'occurrence, c'était pas le bon moment. Voilà, là, par exemple, c'est le bon moment. Et vous repartez. Faut vraiment pas être pressé. Hein. Et si on n'est pas pressé, qu'on prend son temps et qu'on y va méthodiquement, ça se passe bien. Là, vous voyez, là, il se met en état de faiblesse parce qu'il est tout seul. Hop. Surtout, vous mettez un coup et directement, vous repartez dans l'autre sens en faisant 2-3 roulades et vous courez. Donc pensez bien à Deloc, hein, entre-temps. Évidemment, ce qui vous permettra de courir plus facilement. Voilà. Et vous voyez là quand même, parce que là, si j'utilise vraiment que les sorts, voilà, easy quoi. Hein, une de pocket. Hein. Donc ils ont beau être en surnombre, de par leur lenteur, et du fait que quand la barre de vie descend à 50%, ils se mettent quasiment à ne faire que des attaques de feu. Non, des attaques qui peuvent être dangereuses, hein, mais qui sont facilement évitables. Eh ben écoutez, ma foi, tout ça fait que ça se passe plutôt bien, donc il n'y a pas forcément grand chose d'autre à dire. Donc faites attention quand même parce que le feu fait pas mal de dégâts. Hein. Voilà.
Donc voilà, donc c'est comme je vous dis, hein, c'est un boss de patience. Après, évidemment, moins il y aura de gargouilles, et plus ce sera simple. Mais faut vraiment pas être effrayé par le nombre, hein, parce que vous allez, à moins de bien connaître le boss et d'avoir un personnage qui est bien monté, moi j'ai volontairement un personnage qui est pas très haut niveau, qui fait pas beaucoup de dégâts, qui a pas forcément énormément de santé, pour vous montrer que ça se fait. Mais si vous avez un bon perso qui fait pas mal de dégâts et tout, vous pouvez ne jamais vous retrouver contre les 5 gargouilles en même temps. Vous avez le temps de niquer au moins la première, la deuxième de bien l'entamer, etc, etc. Mais quand bien même, même si vous vous retrouvez à 5, faut juste ne pas paniquer et vous dire, il suffit de partir au bout du toit. C'est tout simple. Il suffit juste de partir au bout du toit. Vous voyez, on a vraiment la place de se déplacer. Et comme je vous dis, les gargouilles sont lentes. Donc c'est vraiment ne pas avoir peur. En plus, comme je vous dis, quand elles balancent le feu, elles sont dans un état de faiblesse genre ultime. Parce qu'elles font rien. Là, par exemple, là, juste à m'éloigner, balancer des sorts. Vous voyez que ça se passe très bien. Et là, quand elle fait ça, vous voyez, il y a juste à partir sur le côté. Voilà. Et taper. Voilà, tout simplement. Donc, la clé, ici, réellement, je le répète encore une fois, je sais que je l'ai beaucoup dit pendant le boss, mais la clé, c'est vraiment d'être patient. De ne pas être pressé, de faire les choses correctement. Donc, on attend qu'on ait une gargouille qui avance vers nous. Si on voit qu'elle est toute seule et qu'on a le temps de la frapper, on la frappe. Dès qu'on l'a frappée, on claque une ou deux roulades dans le sens opposé ou sur le côté, hein, suivant comment sont placées les autres gargouilles, histoire d'être sûr de ne pas prendre un coup. Et on court pour aller à l'autre bout du toit. Et on recommence, comme ça. Voilà, on recommence. Si vous pouvez attaquer à distance, c'est encore plus simple, parce que vous avez juste à courir sur le toit, balancer votre truc et repartir à l'autre bout, rebalancer et ainsi de suite. Et là, franchement, avec des attaques à distance, ça se passe ultra bien. Ça prend un petit peu de temps, mais ça se passe vraiment très très bien. Et puis voilà, donc faut vraiment être juste méthodique, ne pas être pressé. Et normalement, ça se passe très très bien. Alors juste avant d'en finir, j'indique quand même, hein, pour plus tard, hein, que ici, vous avez un anneau du rituel. Hein, petit bonus, hein. Un anneau de rituel du sud qui permet d'ajouter des emplacements de sorts. Donc pour ceux qui n'ont pas un perso qui fait des sorts, si vous n'avez pas d'emplacement, grâce à cet anneau, vous pourrez au moins utiliser de la pyromancie. Voilà, juste une petite aparté comme ça. Voilà, donc un boss qui paraît compliqué, mais qui au final, si on s'y prend bien et qu'on n'est pas pressé, se passe relativement bien, parce que là je l'ai fait quand même de façon brouillonne, j'étais pas trop bourrin, même si je me permettais, voilà, d'avancer un petit peu des fois. Mais voilà, c'est juste être patient et méthodique, et normalement ça se passe bien. Je pense qu'au bout de quelques essais, ça devrait le faire, si vous vraiment, si vous mettez ça dans votre tête, que voilà, faut pas être pressé, il faut juste, voilà, on attend qu'il y en ait une qui arrive, on met un coup, on part de l'autre côté, etc. Puisqu'elles sont lentes, donc vous avez vraiment le temps de vous déplacer. En plus, quand vous partez à l'autre bout du toit, vous avez le temps de vous soigner avec une gemme de vie. Voilà, et donc normalement ça se passe plutôt bien. Donc écoutez, j'espère que ces quelques petits conseils vous aideront, hein, à réussir à faire ce boss, hein, un boss qui, voilà, qui fait un peu peur et qui est compliqué, notamment pour les débutants. Et donc, bah, écoutez, bah, je vous souhaite bon courage. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et sur ce, bah, écoutez, bah, je vous dis à la prochaine pour la suite de notre guide sur les boss de Dark Souls 2. Allez, salut tout le monde.